Salut tout le monde, allez c'est parti, nouvelle vidéo un petit peu spéciale, on vous emmène, c'est la fin de semaine de l'Expo Moto à Québec, donc je vais vous faire découvrir ça, des motos, des VTT, des côte à côte, c'est parti, vous êtes prêts? On y va! Donc je suis au salon et on recroise des amis, on a beaucoup d'amis ici. Ça, là, lui là, le petit garçon en blanc là. C'est Phil, travaille chez mes concurrents, mais c'est pas grave, j'ai travaillé là-bas chez Pro Performance, mais il travaille pour la run. Voilà. Donc ça
c'est ça, ils organisent des événements et tout, et puis un gars bien passionné, et puis super cool quand il veut, mais voilà. Donc salut Fil de Fil. Salut Joe de Joe. Salut, bon, vous avez vu le salon de la moto, on a vu plein de motos, mais je veux vous montrer, je suis dans un classe A, un des premiers qu'on a visité, qu'on n'a pas acheté, mais que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle un classe A cargo, avec le garage en arrière pour mettre des motos, une petite voiture, je voulais vous faire découvrir ça, donc c'est parti, les images, et ensuite on revient à l'intérieur, je vais vous montrer les images de l'extérieur pour commencer. Et puis vous montrer un peu l'extérieur et puis ensuite je vous montre l'intérieur, ok? Allez, c'est parti! We'll be right back.
que l'intérieur du poste de pilotage. Même principe que le nôtre, hein. Donc, c'est ça, avec les sièges qui se tournent. On a le lit en haut qui descend, pareil, même principe. Le support ici où on peut mettre une table pour pouvoir manger, voilà, en amoureux. Et après, donc une version intérieure un peu différente de ce qu'on a nous, mais toujours la petite banquette, le canapé convertible hein, qui se transforme en lit. On a du rangement, on a la télé. Ça, c'est tout ça, c'est une extension qui sort là, toute cette partie-là, c'est vraiment une extension qui sort au complet. Donc là, il est sorti, mais sinon après, ça revient pour rouler. On a la cuisine. Cuisine avec le micro-ondes. Il n'y a pas de four dans celui-là. Donc, mais le micro-ondes, je pense, fait convection. Ouais, c'est ça que j'étais en train de dire en même temps, mais la convection, une petite plaque, du gaz. Pas mal de rangement. C'est bon. Voilà la place. Après, panneau de contrôle. Toilette. Toilette, salle de bain. Et puis, une douche. Après, on arrive dans la chambre parentale. La chambre. Là, hop, de l'autre côté, on a la télé. Il y a le frigo que je ne vous ai pas montré, le frigo. La télé. Et après, on arrive dans la partie garage. Petite marche. Hop, on descend. La partie garage, donc canapé qui se transforme en lit. Quand même assez de hauteur, de la ventilation, une clim qui se ferme ici. Et la partie terrasse pour mettre votre moto et qui sert de rampe après. Et une deuxième porte pour sortir forcément pour le garage. Voilà, c'était une petite visite rapide. Salut! Nous interrompons votre programme pour une nouvelle exceptionnelle. C'est la grande nouvelle de la French Family. Vous l'avez attendue, elle est là, c'est maintenant. C'est une nouvelle extraordinaire pour nous. C'est extraordinaire. Comme vous le savez, cela fait maintenant 8 ans que nous sommes au Québec. Nous sommes arrivés, donc moi, ma chérie et Kylian, le grand. Il y a 8 ans, on est arrivés. Et puis, on s'est installés, on a vécu. Et puis, la famille s'est agrandie. Il y a eu ensuite un autre petit garçon, Erwan, qui est arrivé. Petit Canadien, qui est né où ? À Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme. Ok. Après, on a Milan qui est arrivé, qui est né à Lévis. Oui. Donc, c'est un Canadien aussi. Oui. Puis, le dernier arrivé, Enzo. Voilà, je vous remontre un peu la famille, mais Enzo qui est né à Lévis aussi, petit Canadien. Voilà. Donc, ça fait 8 ans qu'on est ici. On a fait des visas temporaires, on a fait la résidence permanente que nous avons obtenue il y a à peu près 2 ans. Pendant la Covid, voilà, on a eu notre résidence permanente. Et donc Kylian le français, pardon, j'avais oublié, pardon. Oups. Notre premier. Le premier, le français qui est arrivé avec nous de France, français de France. Donc bref, résident permanent depuis 2 ou 3 ans à peu près. Et ouais, on avait entamé les démarches pour la citoyenneté, pour devenir Canadien. Et donc, nous avons l'honneur, le privilège, l'immense bonheur de vous annoncer que la French Family va se transformer en Canadian Family. Ouais ! C'était mon idée de mon exposé oral. Donc voilà, nous allons devenir citoyens canadiens à partir du 26 février 2024. Ça va être une cérémonie en virtuel devant à la maison. Donc on va mettre la caméra. On n'a pas le droit de filmer, mais je pense qu'on va avoir des petits bouts qu'on va pouvoir et prendre la fin. À la fin, on peut se prendre en photo avec la juge. Avec le ou la juge. Le ou la juge, je pense qu'on prendra en photo. Donc on vous mettra la petite photo. Mais...
Histoire de... Donc voilà, de ça, quand même. Ça va être une des prochaines vidéos. Faut que je regarde la date exactement. Bah regardez, je vais le faire en même temps parce que là, quand vous allez voir cette vidéo, hop, j'ouvre l'agenda. On sera le dimanche 18. Donc là, vous nous voyez, on est le dimanche 18 février. Et donc, eh ben, la vidéo sortira le dimanche 3 mars. Voilà, le dimanche 3 mars, ce sera une vidéo spéciale. La French Family devient la Canadian Family. Mais on gardera le nom de French Family quand même. Hein? Bah oui. Voilà, c'était la grande nouvelle. On est super contents. Ça fait à peu près combien de temps? 2 semaines qu'on le sait? Ouais. 2-3 semaines, c'est dur de garder le secret jusque là. On avait qu'une envie, c'était de le dire, de le crier sur tous les toits. Et là, on peut enfin vous l'annoncer. Donc voilà. Donc merci à tous pour vos messages. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Puis sur la vidéo du salon aussi, hein, les motos, ce que vous aimez comme moto et tout ça, n'hésitez pas, mettez des commentaires, on vous lit, on vous répond, ça nous fait plaisir. Et je pense que le dernier, il veut parler. On aime recevoir des commentaires. On aime ça, ouais. Oui, on aime ça. Je veux vous dire que quand on est arrivé au Canada, je ne suis pas arrivé avec mon père. Je suis plutôt arrivé avec ma mère. Oui. Avec ma mère. Avec ma mère. Oui, je suis arrivé avec ma... Il a l'accent du Québec. Et ben oui. Ben oui. 8 ans ici, je l'entends. Allez, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Mais ça, c'est Mimi qui va le dire. Et puis, à bientôt les amis. À dans 2 semaines pour la vidéo. Bisous les loulous. Bisous les loulous. À dans 2 semaines pour la vidéo sur la citoyenneté de la French Family. Salut. Et le mot de la fin, c'est pour Mimi. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les abonnés, Mimi? Atlas. Quoi? Atlas. Ils appuient sur la cloche? Oui. Ils s'abonnent à la chaîne? Oui. Et ils appuient sur le pouce bleu? Oui, le pouce bleu. De la French Family. Appuyez-vous en deux. Et générique. Du.